Nous sommes sur une ligne du Grand Paris, donc c'est la ligne 16 du lot 2. Et donc nous sommes précisément sur l'ouvrage OA503 et puis vous avez visité l'ouvrage 602. Donc ce sont deux ouvrages annexes de la ligne du futur métro de la ligne 16. Donc deux ouvrages circulaires qui sont faits en pieux sécant, qui sont destinés à être des ouvrages d'accès, de sécurité pour les deux et le 503 particulièrement, destiné à alimenter le tunnelier en voussoir. La spécificité majeure de ces deux sites, c'est qu'en général, pour des boîtes comme ça, nous travaillons en parois moulées. Et ici, ce sont des pieux sécants à relativement grande profondeur et avec des pieux forêts tubés qui ont été nécessaires pour respecter une tolérance d'exécution très faible. Donc ce sont des ouvrages en pieux sécants avec des diamètres qui sont différents. Donc pour le 503, il y a une centaine de pieux qui sont en 1080, qui descendent entre 22 et 44 mètres de profondeur. Et les pieux profonds à 44 mètres sont tubés sur une quarantaine de mètres, ce qui est assez exceptionnel sur ce type d'ouvrage. Et sur l'ouvrage 602, ce sont des pieux donc à 170 pieux à peu près, qui sont entre 620 mm de diamètre et 880, qui descendent entre 18 et 22 mètres. Donc le principe du pieu, c'est de forer une hauteur et de planter un tube à l'extérieur et de descendre au fur et à mesure le forage et le tube, de manière à avoir une verticalité la plus forte et la plus précise possible. En l'occurrence, sur cet ouvrage, on tube sur des profondeurs assez fortes pour pouvoir avoir la meilleure tolérance de verticalité possible. Donc, en l'occurrence, sur le 503, on est sur des pieux avec une tolérance d'exécution de 0,5% en termes de déviation à 44 mètres, ce qui implique d'avoir des tubes et des forages qui sont assez rigides, donc des tubages le plus profond possible, pour respecter cette tolérance qui est très très faible sur ce type d'ouvrage.